approuve, c'est que vraiment c'est quelque chose de bien. Ma vie a changé. Bon, ils le savent pas encore. Mais je crois que mon père n'est pas au courant, genre il a pas capté qu'il y avait ça à l'intérieur d'une de ses valises. Parti. Je suis à bout. Petit déjeuner fort bien sympathique, confiture de poire et confiture de mirabelle. Ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait ça. Cappuccino comme d'habitude. Et ça, si vous demandez, c'est une connerie de Patrick. Ça permet d'ouvrir les bocaux et c'est vraiment très très bien. Enfin vraiment, c'est un truc de ouf à quel point c'est facile, t'as pas mal aux mains. Ça, c'est une excellente connerie de Patrick. Ça, je recommande. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien, mes nouvelle vidéo, nouveau Spring Reset. On va s'attaquer au tri. Donc, il y aura, je pense, deux vidéos de tri. Une vidéo sur le tri de mes vêtements, etc. Il y aura une autre vidéo. Ça regroupera à la fois le tri de la maison et à la fois aussi le rangement de la maison. Tout ce qui est cellier, produits ménagers, etc. etc. C'est de mieux organiser parce que c'est un gros bordel. Je vous interromps dans cette vidéo pour vous parler du sponsor qui est FlexiSpot. J'ai déjà collaboré avec eux une première fois et j'avais vraiment beaucoup aimé leurs produits. Du coup, ils m'ont reproposé une collaboration et j'ai dit oui parce que c'est vraiment des bons produits. Ce qu'ils proposent en fait sur leur site, c'est tout ce qui est bureau et surtout les pieds qui se remontent. Vous allez voir, c'est incroyable. Tous les accessoires pour les bureaux, notamment des bras, des petits rangements par-ci par-là, des caissons, n'hésitez pas à les regarder sur leur site. Mais moi, je vais vous parler plutôt de ce bureau que j'ai reçu il y a pas longtemps. J'ai reçu il y a pas très longtemps, mais je peux vous déjà vous en parler parce que j'en avais déjà reçu un pour mon père. Mon père est ravi de ce genre de bureau. C'est des bureaux qui se lèvent et qui se descendent, c'est très très bien. Mon père l'utilise pour la musique, pour jouer du piano, et franchement il en est ravi, il surkiffe. Et du coup j'en avais besoin d'un aussi pour mon bureau ici. Il faut savoir que c'est quand même assez lourd ce type de bureau, mais très facile à monter. J'ai mis 25 minutes à le faire, franchement toute seule en plus. J'ai pris la tablette bambou en 120x60, donc j'ai préféré un petit modèle parce que j'avais pas besoin d'un grand vu que j'ai un autre bureau extrêmement grand. Donc en 60 de profondeur, et les pieds, ce qui est vraiment très très bien, ils vont de 1m20 à 2m, super bien. Si à un moment donné vous déménagez et que vous avez besoin soit de rétrécir votre bureau, soit d'agrandir votre bureau, faudra juste changer la planche. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a un petit espace juste là pour accrocher la partie bouton, donc pour surélever. Donc vous pouvez surélever comme vous voulez, ça va jusqu'à 1m30, c'est quand même assez haut. Tout à l'heure j'étais avec Prince en train de tester et ça va vraiment vraiment très très haut. Donc voilà, ça va jusque là, c'est quand même énorme. Et tout à l'heure j'avais une petite étagère en fait ici qui a bloqué le bureau, et en fait il y a une sécurité. Donc si ça touche quelque chose, bah ça s'arrête et ça se baisse. Et ça, je savais pas du tout, je l'ai testé en live, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Aussi, la position 1, la position 2, vous pouvez préenregistrer au lieu de à chaque fois choisir pile poil la bonne hauteur, vous pouvez préenregistrer les positions. Et aussi la position debout, la position assise. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez aussi un port USB pour charger votre téléphone par exemple. Donc ça, franchement, je suis ravie, c'est très pratique. Et en plus, vous voyez, il n'y a pas de fil qui traîne puisqu'il y a un cache en dessous. Donc ça, c'est top. Celui-là, bien évidemment, qu'il faudra bien bien fixé derrière le pied pour pas que ça soit trop moche. Je vous mettrai le lien en barre de description. Si je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, j'en ai parlé à tous mes amis que j'allais recevoir ça, ils étaient en mode waouh, incroyable et tout. Je savais pas trop quelle marque prendre. Moi je vous conseille vivement ça, mon père l'a testé, a approuvé. Mon père l'approuve, c'est que vraiment c'est quelque chose de bien. Il y a aussi beaucoup de promotions en ce moment, donc n'hésitez pas à regarder. En tout cas, je suis vraiment ravie, merci beaucoup pour la collaboration, je suis très contente. Point d'attention aussi sur la livraison. Les colis étaient très bien emballés, la planche arrivait très très bien. Ils ont renforcé en fait les coins sur les colis, donc la planche arrivait intacte. Et idem pour les pieds. Les pieds, il y avait très peu de choses à monter alors qu'avant il y avait beaucoup plus de choses à monter. Donc ça m'a pris vraiment littéralement 20 minutes. Donc c'est vraiment très pratique parce qu'il y a toute la connectique à faire. Donc franchement, même si le livreur il le balance dans tous les sens, il n'y aura aucun pet. Voilà, merci beaucoup à FlexiSpot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je les remercie infiniment et puis bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, on va s'attaquer aux vêtements aujourd'hui. Comme je vous dis, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui traînent sur Vinted depuis vraiment très longtemps. Que je vais enlever tout ça de Vinted et je vais donner ça à Emmaüs. Il faudrait que je les appelle. Bah, je pense qu'on va les appeler maintenant pour leur demander s'ils prennent bien les vêtements genre comme ça. Genre s'ils arrivent, je débarque avec des vêtements. Est-ce qu'ils les prennent ou pas? Parce que je sais que la dernière fois que j'ai donné à une association, en fait j'ai pas appelé. Je suis arrivée en mode bonjour. On dit qu'ils prenaient pas des vêtements type Jennifer, Pinky, ils prenaient un peu plus du Mango, etc.
Donc je me suis retrouvée avec tous mes vêtements, je me suis dit bah zut, et j'ai pas pensé à Emmaüs. Donc on va les appeler maintenant, tiens, comme ça, ça sera fait. Bon, après on est quand même le 1er mai, je suis pas sûre qu'ils travaillent, j'espère pas pour eux. 3 3 1 8 0 9 1 9 0 5 7. N'est pas disponible pour le moment. Bon bah je pense que j'irai me déplacer avec les vêtements quand même dans la friperie solidaire. Et puis bah s'ils prennent pas, bah je mettrai ça dans la poubelle à vêtements. On va essayer d'organiser un petit peu nos pensées. Je pense que je vais d'abord organiser, enfin trier tous mes vêtements de dressing. Je pense que ça peut faire pas mal de boulot. Et ensuite, si j'ai encore le temps aujourd'hui, je commence à prendre le sac où il y a tous les vêtements sur Vinted et à commencer à trier ce que je donne et ce que je garde. Et je pense que je vais refaire des photos avec les vêtements portés. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai commencé à faire dans la chambre. Je sais pas si vous allez voir une différence, mais pas du tout. D'ailleurs, faut que j'appelle mon père pour lui demander comment on pose ce truc. Parce que je crois que je n'ai pas les outils adéquats pour couper les fils et tout. Là, avant, il y avait des rangements acryliques, des choses comme ça avec mes rouges à lèvres, etc. Et plein de palettes. Du coup, j'ai tout viré et j'ai juste gardé ces palettes-là qui ne rentrent pas du coup dans mes tiroirs. Plein de bordel ici. Là, il y avait plein de pyjamas qui ne rentraient plus. Et du coup, j'ai trié mon make-up. Donc, j'ai remarqué que j'avais énormément de rouges à lèvres. Vraiment, je suis une fan de rouges à lèvres. Là, c'est tout ce qui est produit teint. Voilà, j'ai que des anti-cernes et un fond de teint. Là, c'est des eyeliners et aussi des mascaras. Les mascaras sont là. Ensuite là c'est tout ce qui est fossile que je ne mets absolument jamais avec des paillettes, mais c'est juste pour les soirées. Là c'est quelques palettes et là c'est tout ce qui est blush et bronzer. Donc voilà, j'ai fait vraiment un gros tri, je suis trop contente. D'ailleurs je sais pas si on peut mettre peut-être les palettes là comme ça. J'aimerais que à terme bah ça aille dans la salle de bain parce que j'ai des gros projets d'aménagement de l'appartement, vous allez voir, ça va être un bordel. Ça sera dans les prochaines vidéos. Ensuite là j'ai trié tous mes pyjamas, donc tout rentre dedans alors qu'avant il y avait deux tiroirs de pyjamas. Contente, il y a mes pyjamas du hiver et mes pyjamas d'été, donc ça c'est trop cool. Et là j'ai trié mes draps et encore les draps, je crois qu'ils sont trop petits. Donc faudra que je regarde, je crois que je suis allée trop petit. Et idem pour ça, du coup j'ai tout vidé, tout ce qu'il y avait là, j'ai mis ça dans la salle de bain. Il y avait des petites conneries là, c'est pareil, j'avais tout vidé, donc là c'est tout quasiment est vide. Donc je vais pouvoir mettre toutes ces conneries là-dedans. Pareil pour là, il y a encore des draps, bon ça c'est le drap pour les pique-niques par exemple. Il y a des chaussettes, etc. Enfin, faudrait peut-être que je revoie ça par contre. Parce qu'il y a quand même pas mal de draps qui ne vont plus du tout, qui sont tachés et tout. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Et là aussi, c'est là où il y avait tout. Toutes des conneries, des boîtes et tout. Enfin, vraiment, des choses que je n'utilise plus. Donc, j'ai tout viré. Là, c'est que les collants. Donc voilà, au moins, j'ai fait ça hier soir. Ça m'a bien avancé. Mais maintenant, on va s'attaquer à tout ça. Il y a en fait beaucoup de choses, beaucoup de pulls. Mais en fait, le problème, c'est que je mets tout. J'ai tout mis cet hiver, j'ai tout mis. Donc je sais pas comment je vais faire pour me séparer. Sachant que je vais voir mes parents fin mai. Donc je vais leur filer, bon ils le savent pas encore, mais je vais leur filer mes vêtements d'hiver. Donc là en fait c'est que mes vêtements d'hiver. Mes vêtements d'été sont chez mes parents. Et il faut que je vide au moins une penderie. Faut que vraiment il n'y ait plus rien sur une penderie. Là en fait c'est une case de perdu parce qu'il y a le relieur. Ça prend toute la place, donc ça je pense que je vais le virer, je vais mettre un panier avec des vêtements. Et le relieur, faut que je le bouge, faut que je trouve une place et je sais où le mettre. Ensuite, là-dedans, il y a toutes mes robes et il y a des robes qui ne me vont absolument plus. Bon, attendez, on se pose 3 secondes. Ou il y a des vêtements qui ne me vont absolument plus ou alors que je ne veux plus mettre. C'est des robes de soirée, etc. Et je sais pas si c'est parce que j'ai 26 ans. Je sais pas que la trentaine approche, mais j'ai plus envie de m'habiller de manière très sexy, etc. comme je le faisais avant. Mais j'ai plus envie de m'habiller très court, très sexy, etc. Enfin, ça ne me ressemble plus. Déjà, j'ai même plus envie de sortir. Enfin, vraiment, dès qu'on approche la trentaine, je sais pas, genre... En fait, à partir du moment où j'ai eu 25 ans, vraiment, ma vie a changé. Plus du tout les mêmes envies, c'est un truc de ouf. Alors que quand j'avais 24 ans, alors là, j'adorais sortir. Et là, 25 ans, ça m'a fait pouf. J'avais plus du tout envie de sortir. Je sortais de temps en temps avec mes copains, mais... plus du tout comme avant quoi. J'aime bien m'habiller avec des belles robes, etc. Donc il y a des robes quand même que je vais garder parce que je les trouve vraiment trop belles sur moi, etc. Mais il y a d'autres robes où je me vois plus sortir avec. Là, je vais soit mettre sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller regarder mon Vinted, il y aura peut-être des pièces disponibles. Ou alors en me rejoignant sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Parce que là, je vous partage en avant-première sur ces réseaux les ventes. Donc n'hésitez pas à y regarder, j'espère qu'il y aura des choses encore pour vous. Mais du coup, il y aura sur Vinted et si ça part pas, si tout ça ne part pas, je sais pas, au bout d'un mois, eh bien je donne à Emmaüs. Donc en gros ça va être ça un peu le thème, de trier des vêtements que je ne veux plus porter, etc. Les mettre sur Vinted, ensuite les mettre à Emmaüs si besoin. Sachant que ce sera des petits prix, enfin, je pense que vous me connaissez au bout d'un moment.
c'est une bonne action pour vous, c'est une bonne action pour moi. La dernière fois on avait vraiment beaucoup donné, j'étais très contente, on avait donné 100€ à la SPA, donc franchement pépite, vraiment j'étais très contente. Donc on va trier tout l'hiver, on va mettre tout ça dans des housses, vous savez les pulls, on va mettre ça dans des housses pour les foutre chez mon père. Pas prêt. Et moi je récupère du coup les housses qu'il y a dans la valise de mon père, parce que dans la valise de mon père il y a la housse avec les maillots de bain, enfin les maillots de bain, les serviettes et toutes les robes de plage qui prennent énormément de place, et il y a aussi mes affaires d'été. Mais je crois que mon père n'est pas au courant, genre il a pas capté qu'il y avait ça à l'intérieur d'une de ses valises. Genre j'ai vraiment donné ça en soum-soum, que ça va faire l'échange en soum-soum. Ça, je viens de penser à ça en voyant ma robe. Vous savez, j'ai acheté des robes en fripe et celle-ci était tachée. Du coup, j'ai mis du détachant sur celle-ci. C'est parti un petit peu, mais pas totalement. Il y a une de mes potes qui m'a parlé d'un savon. Elle me l'a filé d'ailleurs. En gros, je vais essayer de la redétacher. Il y a encore la tache là. Je vais essayer de la redétacher. La foutre au lavage parce que là, ma machine, elle est blindaxe. Donc, il serait temps de faire une machine. Je vais vous montrer le savon d'ailleurs. Alors, du coup, c'est... Putain, on a mis dans un sac craft. Ce savon là, savon détachant, j'ai pas plus d'informations, voilà, juste ça. Alors on mouille, peut-être mouiller ça aussi. Donc voilà, on va commencer par ce genre de robe, donc là pour l'instant, je me souviens que dans celle-ci je les mettais tous. Donc bah c'est parti, je vais vous mettre en accéléré. Oh ça va être long. Franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. Tout est bien rentré. J'ai retiré beaucoup de robes. Donc il y a ça où c'est taché et troué, donc je peux plus les mettre. Celle-là, je suis dégoûtée. La rouge, je l'avais achetée à Bershka. J'avais pas vu qu'elle était tachée. J'ai essayé avec des détachants et tout, même avec le détachant de ma copine. Ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est du sang et ça me dégoûte. Donc je peux plus. Là, bah, c'est tout ce que je vais vendre, je pense. Il y a une robe bleue, là, elle est magnifique. Je l'avais achetée à Athènes, taille S. Mais en fait, la taille S à Athènes n'était pas du tout une taille S française. Enfin, je sais pas, genre c'est hyper petit. J'ai pas pu me faire rembourser parce que je suis partie juste après. Voilà, elle est là. Elle est neuve. Elle est trop belle. En plus, j'ai toutes les couleurs. Sont vraiment magnifiques. Donc bah écoutez, on va continuer avec l'autre bac, des petits ensembles voilà d'été. Oh, y a mon doudou, il est toujours là. Oh, comment je m'organise là. Donc là je vais mettre que les robes de soirée, comme ça je vais pas trop me perdre. Voilà, avec l'aide de Prince, j'ai réussi à tout mettre dedans. Franchement, il y a beaucoup plus de place qu'avant. Tout le reste me va et tout, mais après, il faudra juste les repasser parce que tout est chiffonné. Je vais m'attaquer à l'autre panier. Sur mon chacha. Attention. Voilà, donc là, ça, c'est un panier qui est beaucoup, beaucoup plus rempli. C'est trop cool, les deux bacs sont bien rangés et correctement remplis, il n'y a rien qui déborde, c'est trop cool. Je vais m'attaquer au reste de l'armoire, ça va être un bordel. Ici il y a les shorts, les pantalons et les jupes, ça je le bouge pas trop, que ce soit hiver comme été, enfin il y a les deux, je le bouge pas. Je vais juste trier pour voir au niveau des jupes et tout, je pense que les jupes j'en ai pas mis énormément cet hiver, donc peut-être que je vais faire un petit tri, sinon on s'attaquera à tout ça. Et ben finalement j'ai fait un bon tri au niveau des jupes, parce que j'avais beaucoup de jupes patineuses et c'est vrai que j'en mets plus du tout. J'en ai quand même gardé quelques-unes que j'aimais quand même bien, mais je sais pas à quel moment je pourrais les reporter en hiver parce que c'est plus du tout le dress code dans mon travail, donc peut-être que je vais changer de travail, donc ça va peut-être changer, je pourrais mettre un peu plus de choses que je veux. Mais voilà, ce genre de choses je peux pas vraiment mettre. Je garde quand même parce qu'au cas où j'ai de la place. Au moins ça c'est fait, hein. Au moins j'ai les pantalons et tout, j'ai vidé pas mal de petites choses. Mais je suis trop contente, j'ai retrouvé mon pantalon en lin, en kaki, donc ça c'est trop bien. Et j'ai encore de la place pour mon autre pantalon en lin. Ça c'est trop bien. Après là c'est tout ce qui est pantalon d'hiver, vous savez, fourré. Maintenant on va s'occuper des chemises, donc la partie de gauche du dressing. Je pense que je vais garder quasiment là tout parce que c'est des chemises que je mets au boulot. Donc je pense que ça va être très rapide ce tri.
J'ai re-rempli avec mes chemises. J'ai des chemises qui sont blanches mais qui se deviennent un peu jaunes avec la transpiration. Est-ce que vous avez des astuces pour enlever tout ça? Et je viens de voir que j'ai des robes encore au-dessus. Faut que j'aille regarder ça. Mais en gros, voilà, c'est un peu jaune et tout. Donc, je sais pas s'il y a du bicarbonate. Alors, genre, laisser tremper dans de l'eau. Bicarbonate, passer en machine, je sais pas du tout. Vous avez des astuces pour ça? N'hésitez pas à me le dire. On va s'attaquer à l'autre partie. La pire. Celle-là. Alors, déjà, ça, je sais pas si vous voyez dans la caméra. Mais là, il y a genre 3-4 jeans qui se battent en duel. Genre, c'est vide dans le fond. Ça, c'est vraiment très mal aménagé, très mal agencé. Si vous le verrez, mais du coup, il y a toutes mes affaires de sport que je n'utilise absolument pas. Et que je sais pas, je mets toujours les mêmes affaires. Donc, faudra regarder. Ah, mais il y a un sac au fond. Allez, c'est parti. Ah, bah d'accord. Ah, bah comme ça, c'est fait. Je suis à bout. Du coup, mon rideau vient de tomber. Et c'est plutôt bien en soi, parce que je voulais trier au-dessus. Tout ce qu'il y avait là pour le jeter parce que c'est que des boîtes de mes anciens appareils, donc ça ne me sert plus du tout. Donc je vais trier ça. Ah, je pensais pas le faire, le karma il m'a dit tiens Elisa, trie. Par contre je peux pas mettre mon rideau toute seule, enfin ça va être un peu un bordel. Enfin je pourrais mettre genre toutes mes affaires d'hiver là-haut, mais il faudrait à chaque fois enlever la tringle à rideau. Quand j'étais en train de réfléchir pendant mon petit repas du midi, je pense que je... Vous êtes pas droit, excusez-moi. Je pense que je vais mettre du coup mes affaires d'hiver là-haut. Et essayer de tout enlever. En fait là-haut je crois qu'il y a des cadres, il y a des boîtes, il y a des choses qui ne servent strictement à rien. Il y a même aussi un panier pour le pique-nique. Donc ça par contre je vais le ressortir. Ma lessive vient de se terminer, donc je vais mettre mes habits à sécher. Mais il faut que je vide l'étendoir à linge, je déteste faire le linge. Donc voilà, je vais mettre mes chemises. Donc tout ça là, toutes les petites chemises que j'ai trouvées, ça venait de Fripe. Franchement je suis trop contente. Elisa se met à la Fripe. What the fuck, alors là on n'a jamais vu ça de sa vie. N'hésitez pas à aller voir mon haul sur TikTok ou Instagram. Je l'ai posté ce haul friperie. Et je vais bientôt vous montrer, peut-être que ce sera en ligne déjà, les hauls vinted. Oh my god, j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté tellement de choses. Je vais mettre ça du coup là-dedans. Sachant que là, je n'ai absolument pas rangé et trié. Enfin j'ai juste posé ça là en mode je garde et on verra après. Dans tous les cas ça je garde, enfin c'est mes habits du boulot donc... On est obligé. Ah non mais cette jupe elle est vraiment trop kiki. Je l'aime beaucoup trop. Bah du coup c'est reparti. On va enlever le... L'hiver. J'ai du mal. J'ai mis à sécher mon linge et en fait la robe elle est toujours tachée. Donc je pense que c'était du sang sûrement et ça part pas. Ou du vin ou je ne sais quoi. Tout comme ma chemise. Je sais pas si vous verrez mais elle est toute tachée à cause du vin que j'avais reçu. Mais ça je la garde parce que je mets souvent des vestes ou des, vous savez, des gilets de costume sur ça. Donc ça cache. Voilà où j'en suis. Là c'est tous les pulls que j'enlève. Là c'est tout ce que je vais vendre. Là c'est des trucs qui étaient... là qu'il faut que je trie, mais du coup je crois que j'ai pris trop de pulls. Bon, je vous ai pas filmé en accéléré parce que ça aurait pris au moins 3 heures. J'ai pu retrier et re-ranger tous mes hauts d'été sont là. Donc je pense que chez mon père j'ai bien juste mes serviettes et quelques petits plaids etc. Je pense chez mon père, mais en fait tout mon été est là. Donc ça c'est trop cool. Donc là j'ai tout retrié et j'ai vu qu'en fait j'avais plein de choses pour pouvoir les travailler. Donc des petits hauts et tout qui font pas trop pas trop summer non plus. Mais là ça a été un plus gros problème. J'ai quand même enlevé 3-4 jeans qui sont ici. Mais en fait tous mes portants de costume étaient dans un autre endroit. Donc ça ne rentrait pas là-dedans. Je conseille pas forcément cette organisation. D'habitude je les mets en comme ça là. Pour que je puisse tous les voir, sauf que ça ne rentrait pas. Tout ne rentrait pas. Je sais exactement ce que j'ai comme jean, etc. Je fouillerai un petit peu comme ça. En fait, je prendrai mes habits comme ça. Parce que là, je trouve pas trop de solutions. Voilà, au moins, j'aurai mes affaires ici. Mais je sais ce que j'ai. Donc ça, c'est cool. Ici, c'était là où il y avait le plus de pulls, etc. Enfin, des joggings. Et j'en ai retiré quelques-uns quand même, 2 ou 3. Et donc là, c'est mes ceintures. Et là, c'est des joggings, pulls de nal. Et là, c'est des trucs de sport. Donc en soi, j'ai des trucs de sport. Mais alors, je sais plus du tout ce que j'ai là-haut. Je pense que je avoir des leggings d'Ocean Apart qui sont vraiment éclatés au sol. J'avais acheté, franchement, trop déçu, je crois qu'ils étaient transparents, une catastrophe. Là, du coup, faut que j'enlève des pulls. Là, en fait, j'ai un drap, j'ai pas vu, mais j'ai un drap avec une combinaison que je ne pense pas réutiliser. Je pense que je vais la donner parce qu'elle est tachée et tout, je peux pas la vendre. Et je peux pas la donner aussi à Emeuse, donc je vais la donner à des potes si quelqu'un la veut. Voilà, et là-haut, c'est encore des conneries.
Et là, je viens de voir que j'ai des robes. Voilà, on continue le tri, mais en tout cas, ça avance plutôt bien. Du coup, j'ai mis à tremper mes affaires blanches qui, en fait, vous voyez, sont jaunes, grises ou bleues. Donc, ça a déteint. Et ça s'est coloré avec la transpiration. Enfin, voilà, donc c'est un peu chiant pour aller. Pour les mettre, c'est tout jaune, c'est tout dégueulasse. Donc, j'ai mis du bicarbonate en espérant que ça fonctionne. Après, je vais les mettre au lavage avec du vanish ou je sais pas, un truc. Pour enlever au moins les traces de transpiration, surtout parce que c'est pas possible, c'est trop. Enfin, c'est dégueulasse. On croise les doigts et si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, c'est tout ce que je dois mettre dans le sac. Je sens que ça va être un calvaire pour mettre tout ça dans un sac. Pourtant, de base, ça rentre. Je crois qu'il y a deux sacs d'hiver. Bon, voilà, c'est enfin vide sur le côté gauche et là, le côté droit. Bah, j'ai remis mes petites chemises que j'ai achetées à Stradivarius la dernière fois. Donc, c'est des ensembles. Ça, avec les pantalons qui sont juste là. Donc, ça, c'est trop cool. Tout rentre parfaitement. Donc voilà, j'ai réussi à avoir une seule petite penderie. Ça du coup c'est vide, je vais mettre je pense les deux paniers pour laisser ça vide. Et ben sincèrement je pensais pas du tout que ça allait rentrer dans ça et dans ça vu tout ce qu'il y a dedans. Je vous promets, franchement c'est un truc de ouf, il y avait une pile, une shit tonne de pulls épais. Du coup la technique quand vous avez des pulls épais comme ça, en fait faut pas les plier, plier normal, faut les laisser aplatis sans les plier. Comme ça, genre sans les plier, genre vraiment vous les mettez à plat. C'est comme ça que je fais à chaque fois, je superpose les pulls, mais c'est un truc de ouf, c'est rentré. Et du coup ils viennent de chez Primark, ceux-là. Voilà, si vous cherchez c'est 4€, franchement c'est très très bien. J'ai mis ça là, tout ce qui était été, en fait les deux paniers du fond. Et aussi un autre petit panier qu'il y avait juste là avant. Donc j'ai mis ça là. Franchement, on est plutôt pas mal. Il y a... Pourquoi j'ai mis ça là d'ailleurs? Je suis con. Là, j'ai mis les deux bacs comme ça. Donc là, j'ai un vide ici. Donc pouvoir mettre, je sais pas moi, mon tapis de sport par exemple. Ou ce genre de choses. Donc déjà, là, ça c'est fait. Je sais pas si je m'attaque couloir. Je pense que oui, comme ça, ça sera fait. De toute façon, là, ça va être assez rapide. Parce que j'aime tout, mais j'ai pas tout mis. Parce que là, c'est que des trucs d'été en fait. Et ouais, tous les gilets, je les mets en été. Donc ça va être un peu compliqué. Ça aussi, je le mets. Ça, je le mets... En fait, tout ça, je mets. Et je pense que je ferai un tri à la fin de l'été, voir ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis. Je pense qu'il va falloir que je fasse un tri. Donc déjà, vous voyez, là, c'est le gros sac pour mettre les vêtements. Donc tout est là-dedans, donc ça, va falloir que je le retire. Là, on va s'attaquer à ça, parce que j'ai des manteaux. Vous voyez, là, ça va tomber. C'est mes sacs à dos de voyage, donc c'est un peu une catastrophe. Il y a des manteaux que je vais plus mettre, ça, c'est sûr. Parce que je les ai pas mis du tout, du tout, du tout. De, genre celui-là, celui-là, celui-là. En fait, tout cela, je pense que je vais les vendre ou les donner. Parce que ouais, je vais pas les remettre. Donc ça va être assez rapide. J'aime beaucoup en fait, mais c'est juste que bah, je les mets plus. Et je me vois pas les remettre, je sais pas. Enfin, j'aime beaucoup, hein, ça me saoule. Mais ouais, tout ce qui est velours côtelé, je les mets plus du tout. J'ai enlevé tout ça de manteaux. Qui sont vraiment top, hein, ils sont vraiment bien. Mais le problème, c'est que bah, je les utilise plus. Donc ça sert à rien de les garder. Et je vais mettre les manteaux les plus chauds, du coup. Là-dedans, pour les ranger. Bon, c'est déjà beaucoup plus aéré, c'est beaucoup mieux. Là, du coup, j'ai enlevé des robes, pulls que je n'avais pas mis cet hiver, et j'ai remis, du coup, des manteaux. Donc, tout est là. Voilà, il va falloir prendre en photo tout ça. J'ai extrêmement la flemme, je vous avoue. J'ai qu'une envie, là, c'est juste d'amener tout ça à Emmaüs et pas faire les ventes Vinted, parce que, vraiment, c'est hyper chiant à faire, je trouve. Enfin, c'est long, c'est... Donc voilà, déjà pour tout ça, ça sera sur Vinted. J'espère que je vais y arriver. Je vais prendre en photo. Je me suis fait mal de partout aux mains. Je n'en peux plus. Mais vous avez pu le voir, c'est vraiment bien. C'est tout vide. Je suis trop contente. Genre, ça va faire un petit peu plus de place, un peu plus épuré. Et puis de toute façon, je vais récupérer les affaires de mon père. Enfin, de chez mon père qui iront là, du coup. Ou là, enfin, je sais pas. Donc plutôt pas mal, je pourrais mettre peut-être des draps, je sais pas. Donc il y aura quand même pas mal de changements encore dans l'appartement. On va s'occuper plus tard des bah, du tri, du cellier, des produits ménagers, de la maison, enfin de tout. Quasiment de tout, notamment de la vaisselle, tout ça. Essayer de faire un peu de la place. Voilà, donc on va essayer de faire ça dans les prochaines vidéos, peut-être la prochaine. Voilà, écoutez, mes voisins m'attendent pour un café QG. Je vais y aller maintenant. Voilà, je suis très très fière de moi. J'espère en tout cas que vous aussi vous êtes fiers de moi. Et si ça peut vous motiver à faire aussi votre dressing, à retirer des choses, à mettre sur Vinted, à donner à des associations, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça aura pu vous motiver en tout cas. Et puis bah mon Vinted c'est Pandapi, hein, c'est comme le nom de ma chaîne. De toute façon il est toujours en barre d'informations, mon Vinted, toutes mes informations sont en barre d'informations. Si vous cherchez quelque chose, c'est en barre d'informations. Je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, c'est qu'à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.